Eh bien salut tout le monde, c'est Cyrus et on se retrouve aujourd'hui pour la fin du tour avec la Bora Argon 18. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. Donc j'ai eu un gros souci et franchement je m'en veux énormément. Car j'étais en train d'enregistrer l'épisode tranquillement. J'arrive à la fin de l'Alpe d'Huez. Donc pour les... il restait 500 mètres quasiment, j'étais à la ligne d'arrivée. J'avais pas fait gaffe. Et je tourne la tête vers mon écran PC pour regarder le temps de la vidéo. Et là, je vois quoi? Disque dur, espace insuffisant. Veuillez libérer de l'espace. Donc, en gros, je pouvais plus enregistrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû nettoyer un peu mon PC. Enfin, nettoyer. Il n'y avait pas de virus, hein, mais juste nettoyer en mode supprimer des trucs inutiles. Mais là, j'ai vraiment tout supprimé. Ce qui était inutile. Et j'ai gardé ce qui me servait, ce que j'utilise tous les jours. Et malgré ça, il me reste quand même plus que 1 giga. Donc, bon. Comment dire que c'est pas top? C'est pas top du tout. Donc, ça va être assez chaud. Ça va être assez chaud. Parce que là, il me reste exactement 89 gigas sur 2 Tera. Du coup, je pense que je vais devoir investir dans un disque dur externe. Pour pouvoir, je sais pas, j'en prendrai un bien gros, bien dur comme ça pour... oh là là, c'était chelou cette phrase. Pour pouvoir mettre mes vidéos sur le disque dur externe et que la vidéo reste, que mon PC reste intact, parce que sinon je vais avoir pas mal de soucis, tout simplement. Donc voilà, on est parti. Du coup, je suis vraiment désolé, il y aura que les Champs-Élysées aujourd'hui. Ça va être une vidéo très courte, de 10 minutes même pas. Je sais même pas, on va même pas la gagner l'étape, hein. On sait jamais, mais on va prendre un sprinter et on va tester le sprint. Mais ne vous en faites pas, vous avez rien loupé. J'ai pas gagné, j'ai rien fait, je suis juste parti en échappée. Et chaque fois, ils sont cuits les coureurs, hein, ces dernières étapes. Le peloton a roulé à bloc tout le long de l'étape, donc à chaque fois on terminait 100ème. Voilà. Pour tout vous avouer, même dans l'épisode, j'ai simulé la fin des étapes. Donc vous avez rien raté, ne vous en faites pas. C'est juste que ça me fait quand même chier, parce que du coup vous voyez pas le tour en entier. Enfin, ça me fait quand même chier. Du coup, vu que lui il est en mauvaise forme, on va prendre sa Bennett. Non, oulala, j'ai failli faire une grosse connerie. Voilà, j'ai le citron. Et on va tenter avec lui, en espérant que ça passe. J'ai pas fait gaffe pour le classement de la combativité. Donc on va demander à notre ami de partir. Écoutez, on sait jamais. Wizarski. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées. Allez, Wizarski, s'il te plaît. Dépêche-toi. Il est où? 43ème. Ah ouais. Le prestige d'une victoire à Paris se sent parfois laissé surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec Toronto. Les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice. Ah ouais, mais devinons. Le défi s'annonce encore plus relevé. Je pense qu'il est en plein milieu. Okay, il est 5ème. Ah non, d'accord, il est parti. Voilà, Wizarski qui est parti pour la combativité. Très bien. Bon, nous on s'en fout, hein. Clairement, on s'en bat les couilles du sprint. Donc on va pas le faire. Voilà, parce qu'on est des thugs, on les fait pas. Par contre, niveau barre bleue, c'est pas top, hein. C'est pas top. Ok. 15 km. Du coup, vous verrez que, ouais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'y peux rien. Franchement, j'y peux vraiment rien. Des fois, c'est de ma faute, mais là, c'est vraiment pas de ma faute. Ouais, peut-être que j'aurais été plus attentif, peut-être que je l'aurais vu plus tôt, mais ça aurait rien changé parce que le fichier, du coup, je l'ai perdu de la vidéo parce qu'il s'est pas enregistré vu qu'il n'y avait plus d'espace. Du coup, c'est la galère, je vais pas vous le cacher. Un peu la déche en ce moment. Du coup, est-ce qu'on va... Oh putain, je vais me prendre le bord. Ça y est. Donc ils sont gentils dans le jeu. Du coup, pour le sprint, ça va être chaud parce que vu notre barre bleue là, c'est pas top, hein. C'est pas top, on n'a pas un sprinter de haut vol en plus. Là, on est très bien placé. Je préfère rester bien placé comme ça. Au pire, si jamais on voit quelqu'un à énormément de barres bleues, pourquoi pas tenter un coup du baroud, hein. On sait pas. Ah là, il est très fort là. Le gars de la loto là, il s'en foutait déjà là un peu. km.
Là, ouais, là ça roule très fort. Ça roule même trop fort. Parce que moi je dois prendre mon ravito du coup. C'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eu ça de le prendre maintenant. Ah mais ça roule trop fort là. Je peux pas suivre. Oula. Ah, par contre s'il y en a un qui fait une fringale là. Parce que là je vois des lotos qui font des fringales. Faudrait pas que ça tombe sur moi là. Juste derrière moi, un gars derrière moi qui fait une fringale. Faudrait pas. Tais-toi un peu. Ah, on a plus de barre jaune. Barre bleue, pardon. Il est en train de se faire décramponner. Ah ouais, non, là, on va pas pouvoir sprinter. Dernier passage dans le tunnel. On est là. Ah oh, non. Les Tinkoff qui viennent rouler, sérieux, ça se reposer. Ah non, là ça va être. C'est la cata, catastrophe. Ouais, mais là regardez comment ça a roulé. J'ai la bourre argon, les gars, faut pas abuser. Le temps groupé. Je vais pas pouvoir rouler bien plus fort. Hein. Et c'est parti pour le dernier sprint du tour. Oh non, là. Ah là, ça va pas. Bon, on va prendre Uzarski, il est bon. Pourquoi il a plus de barre rouge? Je sais pas. Allez, Uzarski! Un top 15! Peut-être! Un top 10, peut-être! Y'a Froome. Oh, ils vont nous baiser, putain. On va faire 12ème. Voilà, bon. Voilà, la vidéo est très courte. Limite, c'est une vidéo annonce. J'en suis réellement désolé. J'y peux absolument rien. C'est pas. Ouais, non, j'en peux rien. Je suis vraiment. Mais je m'en veux. Terriblement, je suis vraiment désolé pour ça, donc vraiment désolé. C'est pas grave, façon mardi, le nouveau tour commence, et ça sera avec la Team Sky. Oui, la Team Sky, voilà, je vous le dis maintenant, ça sera avec la Team Sky. Les podiums, on s'en bat les couilles, vas-y, hop. Ça sera avec la Team Sky, pourquoi? Parce qu'on a fait que des petites équipes pour le moment, à part la FDJ, mais c'était pour le tour en temps réel. Et j'ai envie de m'attaquer à une grosse équipe, vraiment une grosse équipe. Ça va être facile, on va le faire en pro parce que le mode champion va te faire enculer, s'il te plaît. Juste. Oui! Putain, yes. Ah ben voilà, objectif rempli. 4 victoires d'étape, la combativité, ce tour est parfait. Voilà, suivant. Donc voilà, du coup, ouais, la Team Sky. Et puis voilà. Donc, je suis vraiment encore désolé pour cette étape. Dites-moi dans les commentaires si ça va vous plaire le tour avec la Sky. Dites-moi si ce tour vous a plu également. Ça m'intéresse de le savoir. Pour voir si ça vous intéresserait dans le futur des autres tours de France comme ça dans ce style où on ne joue pas le général et on joue que les victoires d'étape. Ça peut être sympa dans les échappées. Parce que bon, si ça marche pas, je vais pas faire que ça quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais en gros, si vous avez aimé ce tour, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On a 5500 abonnés. Un énorme merci à tous. C'est grâce à vous tout ça. Et je vous serai éternellement reconnaissant pour ça. Il y a mes réseaux sociaux dans la description. Twitter, Twitch et Facebook. Et puis, il y a mon PSN et le Skype. Monsieur Julien 13. Je vous remercie d'avoir regardé. Et on va se retrouver mardi pour le départ du tour avec la Sky. Et bien évidemment demain pour le Pro Cycliste, lundi pour le Pro Team, tout ça. Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.